Hello, c'est Flavie, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue au sein du board. Dans le business, on ne peut pas être expert sur tout et c'est pas toujours simple de prendre les bonnes décisions, qu'on soit dirigeant, manager ou entrepreneur ou en voie de le devenir. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer le board, une sorte de comité de direction virtuelle. Chaque semaine, j'ai une conversation avec un expert ou un dirigeant de mon réseau, à ce micro, pour t'inspirer, te challenger, t'aider à prendre de bonnes décisions. Le board, c'est aussi et surtout une business communauté pour continuer la conversation avec nos experts ou entre nous afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour et tous les membres du board te souhaitent la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes les Koalas, C-O-A-L-A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est tout le monde déteste prospecter, on est d'accord. Même les commerciaux d'ailleurs. Et en fait, eux, ce qu'ils te proposent, c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc, ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin, tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.wearekoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même et que vous n'avez pas le temps de prospecter, enfin voilà, n'hésitez pas. Vous aurez un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue à toi sur ces épisodes collector du podcast Le Board. Le Board, c'est le comité de direction virtuel qui t'aide à prendre les bonnes décisions dans ta carrière ou dans ton business. J'ai eu envie de créer ces épisodes collector qui sont des mash-up d'épisodes déjà existants pour te donner un avant-goût des plus de 80 épisodes à découvrir sur ce podcast. Alors, quels sont les formats que tu pourras avoir sur Le Board ? Une interview toutes les semaines, tous les mercredis à 10h avec un expert ou un dirigeant qui pourra nous aider à appréhender une réalité business ou carrière intéressante pour toi. Et tous les lundis, un format express de 15 minutes avec des conseils directement actionnables pour devenir un ou une meilleure dirigeante. J'espère que ça te plaira. Je te propose de découvrir dans la thématique des épisodes collector 5 thèmes qui sont convaincre, fédérer, booster son mindset, s'organiser, ou bien bye bye salariat. Tu pourras les retrouver dans les liens de cet épisode. Tu peux aussi profiter du board en rejoignant notre communauté, c'est-à-dire en échangeant avec les différents membres qui écoutent ce podcast ou en rejoignant sur les réseaux sociaux. Donc je suis Flavie, tu peux me contacter sur LinkedIn, Flavie Prévost. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, @workitude_fr. T'abonner à la newsletter www.boardmembers.substack.com. Je te mets les liens en description du podcast. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce qui t'a plu dans cet épisode ou dans ce podcast en me laissant un message ou un commentaire, un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Je te propose de commencer l'épisode du jour sur la thématique « Savoir bien s'organiser ». C'est parti. Ah, l'organisation, ça c'est un vaste sujet pour la plupart d'entre nous. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant, dirigeante, salariés, sidepreneurs, freelance, enfin voilà, on a tous un gros sujet sur savoir bien s'organiser. Alors pour aller chercher la substantifique moelle des meilleurs conseils que les invités du board m'ont donné à ce micro, j'ai fait un mash-up pour toi, collector, de plusieurs épisodes. Ce sont les épisodes numéro 5 avec Grégoire Gambato, le start-upper génial. Nous avons l'épisode numéro 28 avec Frédéric Génicaud qui a écrit un livre professionnel et qui nous donne des techniques d'organisation. Nous avons également l'épisode numéro 16 avec Mintou qui nous explique ses techniques pour se fixer ses objectifs et avancer quand on est multicasquette et multiprojet. Nous avons également l'épisode numéro 43
avec Sylvain Brezard, dirigeant d'une entreprise de 600 personnes et également engagé chez Greenpeace et Réseau L'Étincelle en tant que militant. Et enfin, Marie Taquet d'Iconoclaste, épisode numéro 44, sur comment on s'organise quand on est solo founder et qu'on crée sa boîte à 23 ans sans aide extérieure. Vaste programme, alléchant, et tu vas voir, c'est super intéressant. Du coup, voilà, c'est la rentrée, on s'organise pour réaliser plus vite et plus fort tous nos projets. Enfin, je dis c'est la rentrée, mais je ne sais pas à quel moment tu écoutes cet épisode. Mais en tout cas, bienvenue à toi, profite bien de ces conseils et à tout à l'heure pour avoir ton feedback ou pour continuer la conversation ensemble sur les illustrations et les apprentissages de cet épisode collector. Alors, quels sont, premièrement, les tactiques, techniques ou outils qu'on peut utiliser pour être mieux organisé? C'est parti, on va écouter Grégoire le start-upper qui nous parle un peu de son quotidien et de ses hacks de productivité. Alors j'ai eu plein d'outils, hein, l'utilisation du CRM, mais je pense que tout le monde s'en balance. Du coup, je vous propose qu'on parle d'un truc plus intéressant. Non, les deux trucs qui ont changé ma vie, c'est un concept, c'est l'inbox zéro. C'est-à-dire tous les matins, je me réveille et j'ai zéro boîte. Je me lève entre 6h30 et 8h30 en fonction de la période. Bon, ce matin, j'avoue, je me suis levé à 9h. J'ai dormi 10h, mais voilà. Voilà, mais personne ne doit le savoir dans l'équipe, sinon ma réputation va en pâtir. Mais en gros, je me lève tôt le matin. Alors, pas en mode miracle morning, hein, genre, c'est pas j'ai un réveil, c'est je me lève à l'heure où je me réveille. Donc, des fois, je me réveille à 6h30, des fois à 7h30. J'ai un réveil à 9h en butée quand je dors vraiment longtemps. Je bois pas du tout d'alcool en semaine d'ailleurs. Je marche 1h30 par jour, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, je me réveille et je commence par répondre à tous mes emails de la veille. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je réponds à tous mes emails, à tous mes messages LinkedIn et à tous mes messages Slack parce que je gère des communautés. Il faut savoir que c'est entre 50 et 200 messages par jour. Je fais des pointes à 300 ou 400. Donc, si quelqu'un me dit « Ouais, moi, je reçois plus d'emails », je lui dis « Je ne suis pas sûr ». Et en fait, ce que je fais, c'est que je les trie tous et je viens à zéro. Et tous les emails, en fait, que je ne peux pas traiter directement, je me dis « Ok, il faut un rappel », je le mets « Revenir dans 2 jours, revenir dans 6 jours, revenir dans 1 mois, revenir dans 2 mois ». Et ça me permet de ne rien oublier. Parce que si je réponds à la personne et que j'ai besoin qu'elle me réponde, je me dis « Si la personne ne me répond pas, me le rappeler dans une semaine. Donc comme ça, ça me permet de relancer les gens qui oublient. Et si quelqu'un me demande un truc que je ne dois pas faire maintenant, je me dis « Ok, me le rappeler dans un mois, je revois l'email et je le traite à ce moment-là. » Parce que donc en gros, soit je le fais tout de suite, soit je le supprime si ça n'a aucun intérêt, soit je le remets à plus tard si je ne peux pas faire l'action tout de suite. En tout cas, ma boîte mail principale est clean. Donc tous les matins, je me réveille à 10h30, donc entre 9h30 et 11h30 en fonction du temps que je prends, j'ai zéro message. Okay. Donc j'ai tout clean, j'ai répondu à tout le monde. Donc sauf exception, je réponds jamais en plus de 24 heures. Et ensuite, je consulte mes mails, mes messages Slack et LinkedIn toute la journée, toutes les 2 heures à peu près. J'ai zéro notif sur mon téléphone. J'ai zéro notif nulle part. Voilà. Même mes... je ne prends pas de call, hein, faut savoir. J'ai une politique no call, no meeting, donc avec l'extérieur. Donc, je ne prends pas de call, pas de meeting sans passer par l'écrit. Donc, si vous voulez m'appeler dans la journée, ça ne marche pas. Voilà. Je ne réponds pas au téléphone, je n'ai pas de notif, donc ça ne sonne pas. Donc, voilà. Et du coup, ça, c'est vraiment une chose qui a changé ma vie. C'est-à-dire, je réponds à l'écrit à tout le monde et je check toutes les 2 heures sans notif. Donc, je réponds aux messages urgents. Et après, le lendemain matin, je réponds à tous les messages. Donc, je commence ma journée claire, au clair complètement. Et si vous me dites, ouais, mais moi, j'ai des meetings, bah, vos meetings, remplacez-les par des emails, court, concis. Moi, je fais un meeting ou un call quand j'ai plus de 2 emails, quand ça fait plus de 2 emails qu'on échange. Okay. Et vous allez vous rendre compte que si vous prenez des décisions, si vous n'essayez pas de faire boomerang, si vous décidez de prendre la décision quand vous recevez un email, vous allez vous rendre compte que vous supprimez un nombre incroyable de mails, un nombre incroyable de meetings. Et deuxième chose, c'est Atext, c'est un outil A-T-E-X-T. Okay. C'est un outil en fait qui me permet de prendre des raccourcis. Donc je tape par exemple Hello candidat et ça met un message de refus automatique. Quand je tape Hello Presta, c'est un message de qualification des gens qui me demandent s'ils veulent bosser avec nous. Hello écrit, c'est quand les gens me demandent un rendez-vous. Hello, vous avez compris. Et en gros, j'ai des raccourcis. Et quand on m'écrit, je fais Hello machin, Hello truc. Et aujourd'hui, il y a 40% des messages auxquels je réponds avec un raccourci. Énorme. Okay. Et de plus en plus, parce que du coup, j'ai des séquences maintenant. Et en fait, les gens vous demandent toujours la même chose. Quasiment. Et du coup, ça me permet même aux gens de l'équipe, ils me disent ça, je fais hello machin, genre hello réunion, hello truc. Et bim, 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 je réponds, j'envoie. Et ça me permet de donner une réponse aux gens. Et en gros, dès que j'ai rédigé plus de 3 fois le même email dans une semaine, je crée un raccourci. Et ça, ça me permet de gagner un temps phénoménal. Deuxième conseil que je voulais te donner via cet épisode collector, c'est un conseil que j'ai écouté et entendu chez Cyril. PDG, start-upper, multi-projet. Et je trouve que c'est intéressant. Son approche, c'est automatiser et industrialiser tout de suite, créer des bons process pour la suite, avant même que tes projets ne prennent trop d'ampleur. On l'écoute. Donc, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe dans l'administratif. Donc, clairement,
il faut l'optimiser. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, Rocket School, je l'ai créé avant. J'ai dirigé Epitech, j'ai créé des organismes de formation. Enfin, je connaissais bien. Et du coup, dès le début, dès qu'on faisait quelque chose, on se disait, est-ce que ce serait efficace pour 4000 étudiants? Donc, tu vois, nos 30 premiers étudiants, on s'est dit, si on fait ça, est-ce que ça a marché pour 4000? Donc, on a tout automatisé, on a automatisé dès le début un maximum de choses. Donc, ça te permet de gagner un temps de dingue et donc de l'argent. Et derrière, on parlait tout à l'heure un petit peu de remote, de travail à distance. Nos cours, il y a une partie de nos cours qu'on a capté en vidéo. Un cours de marketing de niveau 1, c'est toujours le même, quoi. Et en plus, pendant 5 ans, ça va rester le même. Donc, globalement, si, plus tu as de campus, plus tu as intérêt à mutualiser. Donc, on a une partie de nos cours qui sont faits comme ça. On a capté, j'ai des collègues, des profs d'HEC qui nous ont donné des cours, qu'on a capté. Moi, j'ai donné des cours. Et du coup, on arrive à optimiser un peu partout. Et comme Rocket School, on a cette vocation à être vraiment… on a une vocation sociétale. Hein. On est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a une vocation vraiment sociétale. Du coup, c'était important pour nous d'optimiser les dépenses pour être capable de tendre la main plus facilement à plus de monde. C'est les causes derrière une mauvaise organisation. Et parfois, pour certains d'entre nous, les causes peuvent être de la procrastination due à la peur de l'échec ou voire même du succès. Comment fait-on pour lutter contre la procrastination? C'est la question que j'ai posée à la suite de mes invités. EES, qui vont nous parler de leur technique pour se fixer des objectifs. Les OKR, par exemple, la technique des petits pas. Je te propose de les écouter, c'est vraiment intéressant et ça va t'aider à agir, même si la peur ou d'autres raisons te paralysent pour le moment dans un état de procrastination qui t'éloigne de tes objectifs. Pour moi, la peur est un peu c'est un peu une sorte d'allié, en fait. Alors, c'est-à-dire plus j'y vais, et on va juste mettre un pied devant l'autre, mais on va le faire, parce que si on y pense depuis longtemps et que ça nous motive et que ça me fait quelque chose dans le ventre, c'est qu'il faut que j'y aille. Et j'ai eu ce sentiment-là sur deux choses. Pour l'assurance, quand j'ai dû choisir des orientations, etc., en termes de carrière, et c'est ce qui m'animait, je l'ai eu sur ce podcast aussi. Et je l'ai eu sur la création du réseau Énergie Femmes, où je suis restée jusqu'à 4 heures du matin en me disant, est-ce que j'appuie sur ce bouton valider ou pas parce que le site est prêt. Et je te dis, OK, on va voir, mais au pire, en fait, ce sera dans les méandres d'Internet. Et c'est pas grave, mais on va mettre un pied devant l'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un réseau de plusieurs centaines de personnes en Île-de-France. Et ça tenait juste à ce bouton valider en se disant, on va voir ce que ça donne. Mais c'est juste mettre un pied devant l'autre. Parce que c'est très bien de rêver grand, mais après, il faut le détricoter en tout petit pas. Mmh. Et on va mettre un pied devant l'autre et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est vraiment ça qui m'anime et c'est ma façon de neutraliser, on va dire, cette peur-là, c'est de passer à l'action. Alors, moi, il y a deux choses qui ont été difficiles pour moi. La première, c'est que quand tu essaies de monter une école, et je pense que c'est comme, tu vois, tu montes un podcast, une boîte, peu importe, tu vois une grosse montagne. Et en fait, tu dis... mais d'ici à ce que j'arrive à lancer ma première rentrée, il va falloir que je trouve les profs, que je fasse une marque, que je trouve des élèves, que je lève des fonds, que je trouve des locaux, blablabla. Donc ça te paraît super grand. Et en plus, j'étais toute seule parce qu'à l'époque, j'ai jamais eu de cofondateur et en tous les cas, je trouvais personne à l'époque. Pas faute d'avoir cherché, mais pas trouvé. Et donc, je pense que ça a été le fait de faire des petites étapes et pour ça, j'utilise les OKR. Okay. Objectif qui résulte et en fait ça m'a sauvée je pense parce que tous les jours en fait si t'es toute seule chez toi devant ton ordi que t'essaies de faire ton truc c'est juste déprimant, t'arrives pas du tout à t'en sortir et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Donc le principe c'est que tu te fixes quelques grands objectifs pour 3 mois ou pour 1 mois suivant la taille de ta boîte et que tous les jours t'essaies de faire une action qui va faire monter le pourcentage de cette petite objectif. Donc, si c'est trouver les profs, tu commences par trouver un prof, puis deux profs, puis trois profs, etc. Et en fait, c'est vrai que de faire petite étape par petite étape, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidée et qui a été en même temps une grande difficulté au début parce que je ne savais pas comment me motiver, même si je voulais trop le faire. Et la deuxième chose, ça a été le cash. Enfin, moi, j'avais pas de cash en tous les cas de côté à allouer à l'école, etc. Donc, ça a été de trouver des techniques un petit peu malines pour trouver les premiers étudiants, pour essayer de trouver des locaux pas chers, voire gratuits. Et moi, ce que j'ai trouvé à l'époque comme,
comme petite parade, en tous les cas, ce qui m'a bien aidée, c'est de travailler chez The Family, enfin, en tous les cas, d'implanter l'école dans l'incubateur The Family. Et je pense que c'est un conseil que je donnerai à plein de personnes qui sont fondateurs seuls, de pouvoir s'associer ou en tous les cas de bosser dans un incubateur, parce que tu as l'émulsion des autres, parce que tu as un lieu, parce que voilà, tu t'habilles quand même le matin pour aller quelque part. Et puis après, bah, ils t'aident en général à trouver des sources de cash ou alors des idées un petit peu sympas ou malines pour trouver tes premiers clients. Et rêver le plus grand possible et ensuite décomposer-le en toutes petites étapes. C'est pas simple. Et donc, à tous ceux qui nous écoutent, essayez d'imaginer la chose qui vous plairait le plus ou l'objectif qui vous est le plus cher. Écrivez-le et décomposez-le en plein d'étapes que vous allez réaliser par semaine, par jour, c'est vous qui voyez. Mais chaque jour, vous vous dites, j'ai coché une petite case par rapport à cet objectif ou cette vision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui serait en lien avec, pas seulement l'inclusion, mais surtout la notion de changement, et si vous vous donniez comme défi de faire chaque jour une nouvelle chose que vous n'aviez jamais faite. C'est possible. Écoute, j'aime beaucoup... De nouveau, ça peut être, c'est très bête, hein, aller au resto et prendre le plat que je n'ai jamais pris plutôt que de prendre celui que je prends tout le temps. Mais t'es déjà allée au resto avec moi ou quoi, Mintou? Tu sais que je prends toujours le même menu au sushi. Alors moi, je prends toujours ce que je trouve de bizarre ou que je ne connais pas. Mais au moins, je me dis, j'en ai fait quelque chose de nouveau. Mais voilà, juste se donner ce petit défi-là de faire quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas une fois par semaine ou tous les jours, ça change déjà quelque chose dans notre cerveau sur notre capacité à accepter ce qui est différent. Ce qu'on n'aborde pas toujours en parlant d'organisation. Bon, alors, lutter contre la procrastination, check, c'est fait. J'espère que ta prochaine petite étape ou petit pas te rapprochera grandement de tes objectifs. Bon, le problème, c'est que dans la vie, il n'y a pas que des choses qu'on procrastine. Il y a tout simplement des choses qui demandent beaucoup de temps, des projets pharaoniques, comme par exemple écrire un livre. Alors, comment faire quand on va s'atteler à ce genre de projet? Comment être mieux organisé? Comment être plus efficace? C'est la question que j'ai posée à Frédéric, que j'ai reçue dans le board, pour qu'elle nous raconte comment on fait pour écrire son livre professionnel. Et je te propose d'écouter quelques-unes de ses techniques pour faire en sorte que ce projet colossal voit le jour en moins de 6 mois. On l'écoute. J'ai choisi d'écrire le livre assez vite. Ok. C'est-à-dire que j'ai choisi de consacrer du temps et en fait, je l'ai écrit en 6 mois. Maintenant, et du temps, tu dis c'est genre 100% de ton temps, 50% non. de ton temps, c'est oh, non, c'est 30% de mon temps quand même. Okay. Donc ça veut dire que j'ai consacré mes week-ends. Ça c'est pas 30% de mon temps, c'est mon quand on est entrepreneur, je ne sais pas si on peut parler de temps de travail, mais j'ai quand même consacré des week-ends à écrire. Mais bon, moi j'aime écrire, c'est un hobby, etc. Et en fait, je me suis créé une discipline. C'est-à-dire que je me suis bloqué des moments où j'écris. Et moi, j'écris bien, je ne sais pas écrire une heure par jour. Moi, j'écris par bloc. C'est-à-dire que je peux écrire, par exemple, une demi-journée. Mais j'ai tout un système. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le plan, qui est très, très succinct, je vais d'abord le détailler énormément. Et puis, je vais commencer à écrire. Et puis après, je vais repasser sur le premier draft et l'affiner. D'accord. Alors, il faut dire que quand on écrit sur quelque chose qu'on connaît, c'est facile parce qu'en fait, on a tout en tête. Moi, j'avais déjà pas mal écrit sur certains sujets. Donc, c'était bien en main, en bouche, enfin, je ne sais pas comment on dit. Mais ce n'est pas comme du roman où on crée tout. Là, on est quand même sur des sujets que les gens connaissent. Maintenant, il faut se dire que ça doit être compréhensible par la personne qui va le lire. Et c'est là que se trouve peut-être la difficulté. Moi, je dis souvent que j'écrivais comme si je racontais une histoire à quelqu'un qui était en face de moi. Je m'imaginais un entrepreneur ou un indépendant qui commençait. Et je me suis dit, quelles questions il va me poser? Et j'ai tiré les fils comme ça sur tous les sujets. Et en fait, ce que j'écrivais était la réponse que je lui faisais. Bon, et sinon, on fait comment quand, en plus d'avoir des projets pharaoniques, on a plusieurs vies en une? Qu'on est à la fois chef d'entreprise, militant, engagé, dans l'associatif, dans des think tanks, créateur de podcasts, freelance, que sais-je? Parce que je sais que parmi vous, il y en a plein qui multiplient les casquettes. Eh bien, je vous propose d'écouter encore d'autres témoignages
qui vont nous aider à conjuguer la vie multi-activité qui est celle des dirigeants et des dirigeantes aujourd'hui. Je pense que c'est déjà une affaire d'organisation de soi-même. Il y a des gens qui travaillent beaucoup plus vite que d'autres, ne me demandez pas pourquoi. Je pense aussi que on parlait tout à l'heure de ce management libérateur. Je pense que si il est mis en place avec efficacité, ben on récupère du temps. Voilà. Je pense aussi que il faut convaincre ses collaborateurs. Quand on passe du temps ailleurs, bon, si je reviens à ma personne, quand je passe du temps ailleurs, à Greenpeace, Réseau Étincelle, enfin tout un tas de choses, je suis en train de travailler indirectement pour Norcis. Oui, oui. Il faut assumer ce temps-là, bien sûr. Le rôle d'un dirigeant, il évolue avec l'évolution de l'entreprise, évidemment, mais à mon niveau, c'est ce que me disent même au comité de direction, plus large que ça, me dit, nous, on t'attend sur les visions, on t'attend sur les orientations à donner, on t'attend plus pour l'opérationnel. Oui. Donc, si j'arrive à combiner un peu tout ça, c'est parce que dans mon chemin, j'en suis à ce niveau-là. L'organisation. Non, alors il y a deux, ça fait un peu, ça peut faire bisounours si je te le dis comme ça, mais je pense que le fait de faire des choses qu'on aime fait que on n'est pas en train de subir les choses ou ce n'est pas une charge. Et ça, c'est une énorme chance. Ça aide beaucoup. Et après, le deuxième point, c'est vraiment l'organisation parce qu'on se retrouve avec plein de sujets et tu dois le voir avec ton podcast ou autre. Mais plus on est organisé et planifié, mieux on s'en sort en fait au quotidien. Donc moi, je sais que j'ai certaines actions, je les fais très tôt. Quand je dois écrire certaines choses, en revanche, je préfère et se connaître aussi en fait quelque part. Il y en a qui sont très créatifs le matin. Moi, je sais que c'est plutôt le soir et je me couche tard. Donc en fait, tout ce qui est calme, rédactionnel, etc., je vais plutôt le faire le soir. Tout ce qui est décisif, toutes les décisions à prendre, etc., je vais plutôt essayer de les faire tôt le matin. Top. Okay. Voilà. Et entre-temps, capitaliser aussi sur son temps entre midi et deux. Aller courir, faire d'autres choses, faire son networking entre midi et deux, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment quand même, il faut être assez honnête là-dessus, quand on est sur plusieurs fronts, la clé, c'est vraiment l'organisation. Sinon, on peut se sentir très vite débordé. Mmh. Et le deuxième point, c'est identifier ce qui est important, urgent, prioritaire. Okay. Ça, c'est quelque chose qui va très vite. C'est... j'ai fait ma to-do list, moi je la fais à la semaine en général, et après je découpe pour chaque jour quelles sont les choses importantes et urgentes que je dois faire. Okay. Tout le reste en fait, j'aime pas dire cette phrase, mais c'est vrai quand même, on ne sauve pas des vies non plus. Si certaines choses peuvent attendre, elles attendront, et dans ce sens-là, il y a une suggestion très intéressante qui est, à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, se poser la question, quel est l'impact dans 5 secondes, dans une heure, dans une semaine ou dans 5 ans. Et ça permet de prioriser quand même. Il y a des choses importantes, il faut les faire. Les choses urgentes, il faut les gérer. Et le reste après, c'est une question d'organisation. Et vraiment, j'insiste beaucoup quand même là-dessus, c'est sur la planification. Ça permet d'avoir les idées claires sur sa journée. Bon, mais top. Si on se lève et qu'on prend 2 heures à se dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, c'est clairement pas possible. On a plusieurs projets. Bon, allez, une dernière botte secrète pour la route, pour être mieux organisée. Écoute, je te laisse avec ce dernier conseil qui, je l'espère, te donnera envie de tester des approches alternatives à la collection ou à la succession de hacks productivistes. Parce que parfois dans la vie, pour être mieux organisé, pour être plus efficace, il faut savoir un peu lever le pied ou avoir des activités parallèles ou annexes à son travail. Le truc, moi, le plus incroyable que je me suis mis à faire, j'ai mis à faire pendant le confinement, et ça fait 112 jours d'affilée que je le fais. Je marche 7,5 km par jour avec mon téléphone et j'écoute des podcasts, de la musique où je passe des calls et j'ai aucune notif. Donc, je rate pas mes emails, j'ai pas Slack, j'ai rien. Et je marche dans la nature au bord de l'Isère. Donc l'Isère, c'est le fleuve Grenoble. Je suis grenoblois, mais je monte à Paris 2 jours par mois. Okay. Donc on est en full remote, avant j'y allais toutes les semaines. Et c'est incroyable de marcher dans la nature comme ça. Bon, après, c'est les berges de l'Isère. voilà, il y a des arbres et tout. C'est pas non plus, il y a quand même des immeubles juste à côté. Je peux pas non plus aller en pleine nature. Je vais pas prendre la voiture, ce serait complètement bête. Mais et du coup, ça me. Waouh, j'ai des idées de ouf.
et j'ai des assemblements dans ma pensée qui sont incroyables à ce moment-là. Et des fois, j'appelle mon cofondateur, il me dit, mec, comment t'as vu ça? J'aurais dit, mais... Et genre, c'est vraiment le moment où tous les fils se relient, quoi. Et cette heure et demie-là, du coup, tous les soirs, j'arrête de bosser à 18h30 et je fais une heure et demie de marche. Et en fait, c'est le moment où je suis plus productif, c'est le moment où j'appelle les équipes, c'est le moment où j'ai des vraies discussions. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un en marchant, en sachant que vous avez une heure devant vous et aucune interruption possible, ouais, vous allez vraiment loin dans la conversation. Donc toi, dans l'aspect idéation, dans l'aspect coaching avec les gens, dans l'aspect compréhension, apprentissage, c'est vraiment un moment clé pour moi. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? J'espère que ça t'a plu, le côté collector, le petit florilège de conseils et puis surtout les astuces boostées à l'efficacité, à la productivité, le tout dans le bien-être du dirigeant. Alors si tu veux compléter, tu peux écouter les épisodes, bien sûr, tes conseils sont super inspirants, tous ceux que j'ai utilisés pour le mashup. Et sinon, tu peux tirer au loto le tirage gagnant de tous les épisodes du Board Express que j'ai consacré de près ou de loin à l'organisation. Le Board Express, c'est mon format court du lundi, 15 minutes de conseils directement actionnables, également décrit dans la newsletter www.boardmembers.substack.com avec souvent des templates ou des bonus. Donc les épisodes du Board Express que je te conseille, ce sont les épisodes numéro 1, numéro 3, numéro 6, numéro 7, numéro 20, numéro 26 et numéro 28. Je te laisse découvrir tout ça. J'ai hâte que tu me racontes aussi tes trucs et astuces sur l'organisation. J'espère que tu termines cet épisode galvanisé, boosté et mieux organisé. Je te dis plein de réussites et plein de succès dans toutes tes entreprises. À bientôt, bye bye. Waouh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour ? Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business ? Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour ? Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus ample connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finances sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, cher membre du board, et à très vite. Bye !